Bagarre bagarreuse, bonsoir, débrief à chaud du MMAGP. Salut Jeep. Salut Juji. Quelle soirée de folie au cirque d'hiver qu'on vient de vivre. Dinguerie, une tuerie le truc. Après tu me diras, le dieu s'est prêté énormément. Et la salle était pleine pour le coup. Pleine, ça débordait, Eric, ça débordait. Bravo Abdel, belle organisation, ouais. Belle soirée. Ouais. Et des combats de folie qu'on va vous débriefer tout de suite. On commence directement par le premier combat. Le portugais. Le portugais, Milton Cabral et Yannick. Waouh, et là... Tout de suite, ça a mis direct, ah, ils sont entrés. Ils ont mis dans le bain directement. Pas d'observation. Pas d'observation. Rien, rien du tout. Même pas de seconde observation. Rien, rien. Pas d'observation du tout. Et là, tout de suite, le Portugais, il l'emmène au sol, Yannick, assez rapidement. Il est au-dessus, il passe en garde montée, etc. Il domine le sol. Bah, ouais, ouais. Il est un peu en side et puis il passe facilement dessus. Ouais. Et après, on a vu la domination quand même sur. Un grand de pound, ouais, il fait des dégâts. Ouais. Même si Yannick, il défend. Il défend, mais il était en mode survie. Quoi. Ouais. De toute façon, quand t'es au sol, quand t'es en garde. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand le mec t'a monté la garde, c'est pas évident. Voilà. Après, il a survécu, premier round qui passe. Deuxième round, on se retrouve dans la même configuration, sauf que là. Il se fait ouvrir. Il se fait ouvrir. Et en plus, c'est l'arcade, donc. Ça saigne assez vite. Ça saigne assez vite et l'arbitre est obligé d'arrêter, quoi. Et donc, belle guerre de Yannick, franchement solide, vaillant. On a hâte de le revoir. Ah ouais, impressionnant. Mais après, voilà. Coup, victoire du Portugais. Bien sûr, ouais, victoire. Voilà. Victoire logique. On passe au deuxième combat. Opposition d'Ibrahim. Ibrahim Diallo contre Ibrahim Igdigov. Tout à fait. Et le Ibrahim Diallo, donc, Dobby Fight. Ouais. Tout à fait. Super striker. On ne connaissait pas. Super combattant. Bah, super style. Super pas style. Que striker. Ouais. Non, pas beau que striker. Oui, mais voilà. Très bonne lutte aussi. Très bonne lutte, etc. Ouais, non, franchement, le garçon, en plus, il a fait le show. Ouais. Après, les trois rounds se ressemblaient un peu. Hein. Il a dominé le combat. Ouais. Ouais. Rien à dire. Franchement, moi, voilà, on a kiffé. Hein. On a kiffé. Il a mis l'ambiance dans la salle. Et là, voilà, les trois striking, il domine le combat. Ouais, il a déroulé son jeu, il a bien dominé tout le round. Il a marqué les points à chaque fois. Hein. Ouais, il voilà, était au-dessus à chaque fois. Je pense qu'il était très bien préparé. Ouais. C'était pas l'adversaire qui était prévu à la base. Voilà, c'est ça aussi. Mais il était bien préparé. Il a su réagir, l'autre moins. Après, il était plus grand, il avait une meilleure allonge aussi. Hein. Mais clairement. Très bon game plan. Quoi. Ouais, pour le coup, très bonne stratégie. Une belle victoire, méritée, en trois rounds, décision unanime, rien à dire. Après, on passe au troisième combat de la soirée. C'était le combat féminin? Combat féminin, mais j'en veux tous les jours des combats féminins comme ça. Franchement, déjà, deux filles qui en voulaient. Il y avait Julia qui était posée à Amel. Amel, c'était son premier combat, je crois. Ouais, premier combat. Ouais. Mais volontaire. Hein. Volontaire, après, elle est tombée comme une adversaire. Plus grande, plus expérimentée. On sentait qu'elle pesait quand même plus. Avec des acquis, voilà. Elle était au-dessus sur tout. Voilà, sur que ce soit en lutte, que ce soit en striking. Il y a eu un peu de lutte. Elle a directement rapidement attrapé au clinch. Ouais. Et après, au clinch, elle a fait peser la différence de poids. Les coups de genoux, etc. C'est passé. Après, ils sont retrouvés au sol. Et quand ils sont retrouvés au sol, c'est une garde montée. Et là, elle a fait une grande pente. Au premier round. Mais ça n'empêche. On va revoir Amel. Ouais, c'est ça. Amel, il faut la revoir parce qu'on sait qu'elle peut performer mieux que ça. Et voilà, il faut le temps de grandir. Bien sûr. On passe. Au combat, peut-être de la soirée. Celui qui t'a plus plu. Celui qui a plus plu au public. Hein. C'est vrai qu'il a enflammé le public. Voilà. Alphand. Voilà. En tout cas, le chaos était. C'est parce que le chaos a énormément enthousiasmé le public. Il y avait de quoi. C'est la manière aussi dont il a été amené. Oui, parce qu'en face, parce que pour qu'il y ait un beau chaos, il faut quand même qu'en face, il y ait quand même aussi une bonne opposition. Ouais. Et en face, il y a une bonne opposition, un vrai guerrier. De toute façon, c'était la bagarre de la soirée. Ils sont chauffés, été au sol, ça s'est relevé. Ça s'est relevé. Quand ils sont relevés, clairement, ça a fighté. Ça a cogné, ça a été. Mickaël, il a fait, vas-y, viens, tu veux te battre, vas-y, on y va. Et là, ça s'est envoyé. Il y en a qui est tombé. Alvin a envoyé à un moment donné. Un sacré crochet. D'ailleurs, il avait déjà fait tomber précédemment déjà au premier round. Oui, au premier round. Voilà. Il était déjà tombé, Mickaël, sur un coup. Et là, il ne se relève pas. Clairement. KO, rien à dire. KO de la soirée. KO de la soirée. S'il y avait un KO de la soirée à désigner. Voilà. S'il y avait une prime de 10 000, on lui donne. Pas nous. Ah non, on laisse Eric et Abdel faire ça. C'est ça. Je les mets en galère. Je les mets grave en galère. Ils m'en voudront pas d'ailleurs. Et derrière, Jason. Jason non, Poney. Melvin. Ah, pardon. Ah, bah oui. Excuse-moi. Alvin contre Jonathan. Exactement. En plus, je spoilais déjà, il y a eu un KO. Il fallait pas que je spoil celui-là. Jonathan de la team VKG. Et Alvin, je sais plus de quelle team il était.
mais belle opposition. Ouais. Jonathan, il est VKG, c'est un très bon club de judo, jiu-jitsu qu'on connaît assez bien. Et là, pour le coup, il était sur le reculoir. Mm. Du coup, Alvin a su imposer son style. C'est ça. Il l'a piégé, je pense, avec son changement de garde. Il a fait beaucoup de changements de garde. À chaque fois, il mettait le kick ou du middle. Oui, oui, oui. Et Jonathan était sur le reculoir, donc il le chassait, il a bien cadré. Jonathan avait beaucoup de poids sur la jambe arrière. Ouais. Beaucoup, ouais. Beaucoup de poids sur la jambe arrière. Du coup, moins mobile. Et, donc, moins mobile. Et quand t'as le poids sur la jambe arrière, bah ouais, t'as moins de possibilités. Et beaucoup le dos à la cage aussi. Donc c'est vrai que ça n'a pas non plus aidé. C'est ça, ouais. Et puis ça c'est fini. Après, ça allait jusqu'au troisième round quand même. Oui, oui, non, mais il a bien resté, il a tourné. Ouais. Voilà, c'était une belle opposition de style. Oui, une belle position. Mais c'est vrai qu'il était quand même en dessous. Sur les trois rounds, il était en dessous. On sentait qu'Alvin a maîtrisé plus l'air de combat et plus le combat en général. Sur tous les domaines, dans tous les domaines. Et c'est vrai que là arrive le troisième round et ce fameux head kick qui met KO. Ouais. De toute façon, après, les deux étaient fatigués, très beau combat aussi. Ils se sont donné. Franchement, ouais. Non, mais voilà, c'est ça que cette soirée était magnifique par rapport à ça. C'est que tous les combats, tout le monde s'est donné. Il n'y a pas eu de triche, personne ne s'est caché. Ouais. Ils sont tous allés, ils ont tous donné au maximum. Et tous les combats, il y avait de belles oppositions. Et là, on arrive donc au Common Event. Ah, Jason. Le retour de Jason. Ouais. 7 ans qu'on ne le voyait plus en France. Et là, il revient. On a eu le plaisir de faire le débrief de son combat avec lui. Donc, aller voir l'interview. Et là, rapidement, pour revenir sur son combat, il a géré à l'expérience. Un Brésilien très solide qui venait de Fortaleza en short notice, mais le gars était énorme. Il était plus grand, plus costaud. Ouais. Comme le dit Leon Jason dans l'interview. Il dit qu'il l'a senti. Il l'a senti. Mais il n'a pas eu peur, il l'amène au sol. En plus, il a 20 victoires. Leandro Rodriguez. Ouais. Il a 20 victoires par soumission. Il n'y a pas que 20 victoires, hein, mais voilà, dans ses 40 victoires. Mec super dangereux au sol. Super dangereux au sol. Et Jason, il se fait, vas-y, il faut aller au sol, je vais au sol. Donc, il a dominé en striking et au sol, finalement, il a aussi dominé le sol. Il l'amène au sol et à fin du premier round, on croit qu'il va le finir. Il va le finir. Bon. Sauvé par le gong. Ça repart au deuxième. Même physionomie de round. La même chose. Ouais. Sauf que là, il va plus vite au sol. Ouais. Là, il l'emmène tout de suite. Là, il a compris qu'il était meilleur que lui au sol. C'est ça. Donc, il se dit, vas-y. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. J'emmène tout de suite. Et là, il le finit. Il a tout de suite très rapide. Et donc, nous, on a qu'une seule envie, bien sûr, c'est revoir Jason. En plus, Jason, c'est un peu, on va rien spoiler, mais si on spoil quand même. Il y a quand même Nathan qui est dans la team, la bagarre, que vous retrouvez donc dans les training bell à la bagarre, qui sera peut-être dans le coin à l'avenir de Jason. Ouais. Donc, à suivre. À suivre. Et enfin, voici le main event le plus attendu. Ouais. Des main events dernièrement, en tout cas. C'est vrai que l'entrée de Cédric, là, ça a enflammé quand même le cirque d'hiver. Ils étaient déjà bien chauds. Oh là là. Ça l'a enflammé. Paltochai aussi, c'était une belle entrée, belle opposition. Le public a accueilli le combat très. Après, pourquoi il était attendu? Oui. Non pas par rapport à l'expérience de Cédric en MMA, c'est le deuxième combat. Chai, c'est pareil. Voilà, c'est pas non plus. C'était deux combats aussi avant. Donc voilà, il y a très peu d'expérience en MMA. Mais par contre, c'est Cédric. Et Cédric avait quand même annoncé, si je gagne, je vais à l'UFC. Et donc, on attendait tous sa performance ce soir. Complètement. Ouais. Et il a fait son premier takedown. Oui, c'est vrai. Premier takedown de Cédric. Ça y est, c'était fait. On a vu quand même qu'il restait sur ses acquis. Il a quand même... Dritlo Shab tournait beaucoup. Il a chassé. Il était en chasseur. Il a fait un très... Il a été très intelligent. Ouais. Après, il a eu très peu de temps pour se préparer. Il a deux jours. Ouais, c'est sûr. Compliqué de se préparer contre Cédric Doumbé en deux jours. C'est pas évident. C'était pas un lutteur de base, c'est compliqué d'aller. Voilà. Après, on l'a vu, Cédric a pris son temps, il l'a cadré. Au deuxième round, il l'a cadré encore mieux. Ce qui m'a impressionné, c'est la puissance des coups quand même. La puissance des coups, t'appelles ça des coups. Je pense qu'il a des bombes dans les coups. C'est impressionnant. Il y en a beaucoup qui n'ont pas touché leur cible. Ah ouais. Mais quand on voyait les crochets et les uppercuts qui passaient, on avait mal pour lui. On le sentait. Gros respect à Tyson. Énorme respect. Et d'ailleurs, on a l'interview du coach, du head coach de Cédric. Allez la voir. Voilà. De toute façon, elle va sortir. Ça n'est pas encore sorti, elle va sortir. Donc, il vous expliquera tout sur ce qu'il a travaillé avec Cédric pour l'adapter au MMA. Et c'est très intéressant. Ouais. Très, très intéressant. Et ce n'est pas n'importe quel autre coach. Mais bon, vous en saurez plus. Et donc, Cédric finit logiquement par gagner, par abandon de... Entre le 2 et le 3e round. Ouais, c'est ça. Parce que là, le médecin monte, etc. Regarde. Ouais, touché à l'œil. Il est touché à l'œil. Donc, voilà. C'était la meilleure solution. Voilà. Je pense qu'il... Voilà. Il était intelligent d'arrêter là, ça servait à rien. Oui, bien sûr. Après, nous, on voulait voir ce que donnait Cédric en lutte. Oui, mais bon, vu qu'il n'y avait pas de lutte, c'était pas l'opposant pour travailler la lutte. Voilà.
et pour l'intégrité physique de Shai pour qu'il revienne. Ah non, bien sûr. Parce que voilà, clairement. Le niveau, oui, tu sens, il est là. Oui. Donc voilà, il va revenir, va il va revenir plus fort. Ouais. Et voilà, tu sens qu'on a envie de le revoir très, très vite en MMA parce que vraiment, tu vois les capacités. Ouais. Mais maintenant, il n'allait pas remettre son intégrité physique voilà, pour ça. Pour, totalement. Il va revenir, il a fait le job. Et Cédric, donc, gagne. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Cédric pour Paris le 3 septembre? En tout cas, lui, il dit qu'il va venir. Ouais. Il va dire qu'il a dit qu'il allait signer en tout cas à l'UFC, qu'on le verrait à l'avenir à Vegas à 4h du matin. Nous, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Parce que pourquoi? Il y en a qui vont dire qu'il n'est pas prêt. Ok, tu n'es pas prêt pour le signer à l'UFC parce que tu as deux combats. Après, ça dépend de l'opposition qu'on lui met. Bah, exactement, parce que tu peux ne pas être prêt aussi au même MSGP. Si on te met un lutteur face à toi, tu peux aussi ne pas être prêt. Tu vois. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Maintenant, on se fait il prendra pas n'importe qui à l'UFC. Voilà. De toute façon. Bah, franchement, il faudrait être idiot pour ne pas le faire grandir. Mmh. Quand tu as un garçon comme lui qui est 11 fois champion du monde en kick, qui n'a que 29 ans, qui travaille et qui peut progresser, etc., franchement, il faut lui donner des adversaires qui permettent de grandir, tu vois, petit à petit. Il faut construire aussi, tu vois, voilà. Et après, ouais, je pense qu'il est plus prêt qu'il le dit. Qu'on le croit et qu'il le dit parce que la team dans laquelle il s'entraîne, le énorme. SPG Ireland, c'est quelque chose de très énorme, lourd. C'est énorme. Il y a John Cavanagh comme head coach. Donc, clairement, je pense qu'il est prêt. Après, il y a une marge de progression énorme. Effectivement, comme tu le dis, il a 29 ans. Il a 29 ans. Donc. Après, moi, ce qui me laisse sceptique, c'est la catégorie. Et Welter à l'UFC. Ouais, mais c'est pas grave, il vise pas le top 15 aujourd'hui. Il rentre. Il peut taper le 30e, il peut taper, tu vois ce que je veux dire. Il n'est pas obligé, tu vois. Mais le style. Ouais, mais toi, il va grandir. Il a 29 ans. Catégorie. Il a 29 ans, il peut grandir. Ouais, mais ça se trouve, toi, dans 2 ans. Et c'est du bon striker. Et dans 2 ans, voilà. Maintenant, moi, j'ai un bon striker qui peut cogner un lutteur, tu vois. Bon, en tout cas, bref. Oui. Oh, voilà, on se perd, Non, mais j'avoue. Voilà. Enfin, vous me connaissez, voilà. On aime bien. On est parti. En tout cas, on saura très rapidement si c'est signé ou pas. Cédric l'annoncera lui-même, dans tous les cas. Ouais, bien sûr. Après, on revoit peut-être au MMAGP. Hein, parce que, voilà, pour le coup, belle opposition, beau combat. En tout cas, nous. Cire combat ici au Cirque d'hiver. Waouh! En tout cas, nous, on va voir des combats au Cirque d'hiver. Ouais, ouais, clairement. Parce que c'est une tuerie. Et au MMAGP, bien sûr, également. Après, c'est bien d'avoir une salle plus grande. Il n'y a eu que 1600 places, mais c'était plein. Donc, Après, vaut mieux avoir 1600 places, soit blindées, que ce soit explosif, que des salles plus grandes. C'est sûr. Voilà. Nous, pour nous, en tant que spectateurs, on a pris notre fille. Voilà. En tout cas, on se redit. À très vite pour d'autres débriefs. Je crois que tu as tout dit. Et sinon, certes, c'est les vacances, mais nous, vous continuez à nous regarder. Yes, il y a beaucoup de choses qui vont sortir cet été, donc restez connectés, les gars, et à bientôt sur La Bagarre.